Hey tout le monde, les Matifoutiennes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle carrière avec le LOSC que je voulais commencer en même temps que la carrière avec l'OL sur FM. Mais malheureusement il y a eu des retards. Donc bien sûr comme vous le voyez, allez la France qui normalement est en demi-finale puisque on sait qu'ils en sont capables. Et normalement, ils ont joué ou ils vont jouer leur demi-finale alors que je tourne cette vidéo le 12 juin. Et demain, quand vous regardez cette vidéo, demain je pars en colonie. Donc voilà, on va bien sûr faire une nouvelle carrière. Comme vous l'avez vu dans le titre, on débutera avec un club de Ligue 1 qui vient d'être champion de France, c'est le LOSC. Donc je n'ai pas encore réfléchi avec quel entraîneur je vais débuter ma carrière. Je vous mets en accéléré, tout ce qui est... Vous comprenez. Donc voilà, comme vous l'avez vu, on a pris Zinedine Zidane, qui dans la vraie vie est libre de contrat. Peut-être qu'il a signé à l'heure où vous regardez cette vidéo. Voilà, fréquence des transferts va être normal. Activer affichage du salaire, je vais mettre hebdomadaire. Niveau de match, on va jouer en normal. Je verrai un peu. Donc la durée du match, 8 minutes, ça change pas. Euro, pause pendant, ouais, voilà. Donc, on va essayer de pas faire l'épisode le plus long de l'histoire. On fera 3 matchs cette fois, pas comme en carrière manager, on a alterné 2, 3 matchs. Même premier épisode, on a fait un match. Là, on fait 3 matchs d'office. Donc, on va se retrouver pour le... On fait ça. Alors que c'est la Coupe de la Ligue. Hein. Excusez-moi. Il y a marqué Coupe de la Ligue. Dizou qui affirme que ce club est capable de très grandes choses. Voir un très beau spectacle, Zizou. Alors qu'on supporte la France, hein. Là et là. Allez la France. Là au moins je mets tout le monde d'accord. Il n'y a pas de Paris, Lille, OM, OL. Même si j'ai... Désolée. Allez la France! Donc on va se retrouver directement pour le premier match en Ligue 1 Conforama. Uber Eats, pardon. J'ai pris un petit coup de... Allez, à de suite! Allez, on voit Zizou qui motive ses joueurs. Monaco est un redoutable adversaire, mais nous n'avons pas de raison de les craindre. Les supporters vont tout donner aujourd'hui. À nous d'en faire autant. Alors je crois qu'il y a le match huis clos. Le premier match de la saison est un moment où on veut faire toujours bonne impression à nous et n'oubliez pas d'imposer notre rythme. Donc on va directement se retrouver pour le match. Allez, on se retrouve pour le match au stade Pierre Mauroy face à Monaco. Je règle 2 petites choses en accéléré. Voilà, on a tout réglé. Et le match qui a été engagé. Allez, je dois défendre qui intercepte. Super balle dans la profondeur pour Jonathan David. Qui sert pour Hakim Ziyech. Qui contrôle. Et qui
C'est pas du tout de son genre hein, de mettre un aussi gros loupé. C'était parfaitement joué. Monaco qui était à la ramasse. Et il a mis un reboulé. Allez, Celik. Pour Ikoné. Ikoné qui enroule la parade contre. Qui vient de dévier ce ballon. Qui était certainement cadré. Sur une très belle frappe enroulée d'Ikoné qui a réussi à faire un contrôle assez joli pour éliminer le défenseur. Ou la technique qu'on a souvent faite, est-ce qu'elle va marcher? Tête de Renato Sanchez, trop haute. Elle est baignée d'air. Très bien stoppé, attention Volande qui n'est pas hors jeu. Superbe parade de Mikey Maignan qui vient dévier ce ballon, l'effleurer pour que la frappe de Volande n'aille pas au fond des filets. Superbement joué. Et quelle parade du bout des doigts de Mikey Maignan. L'international français. Attends, avec Bourak. Jonathan et Bourak en attaque, c'est. C'est impressionnant. Attends, t'as Jonathan David, Jonathan Ikoné, Jonathan Bamba et Bourak. Trouve un intrus. Oh, l'année prochaine, ils vont prendre Jonathan, c'est ça? Allez, bien pris par Rosé Fonte, alors que c'était à mi-temps, hein. Allez, Jonathan Ikoné sur Jonathan David. Ah, oh, il a trop poussé son ballon, le Canadien. Non, attention. L'erreur de marquage de Sven Botman. Non, de Rosé Fonte, je crois. Oui. Je voulais jouer le ballon. Il a laissé partir Ben Yedder. Qui a défié Mike Maignan 1 contre 1. Superbe sortie de Mike Maignan. Et très bonne relance du gardien français. Et Jonathan Ikoné qui est stoppé net. Irrégulièrement par Caio Henrique. Qui se prendra un carton jaune. Ah, ça n'a pas marché la tactique. Ça va probablement être un nul. À moins qu'une des deux équipes marque. Allez, dans la profondeur. Il va temporiser. Jonathan David et la super parade de Benjamin Lecomte. Le monégasque qui s'interpose alors qu'on voit les pubs avec un truc qui habille l'OM. Super. À moins que Monaco marque et Mike Maignan qui s'interpose. C'est fini. 0-0 pour cette première journée de Ligue 1 Uber Eats. Entre l'AS Monaco et le LOSC de Zinedine Zidane. On va se retrouver pour le prochain match. Alors que vous voyez, ben, un peu tout quoi. On est 10e. Alors que Paris. Attends. Paris, ils ont perdu 1-0. Contre soit Marseille, soit Bordeaux, soit Lens, soit Nice, soit Brest. J'ai pas fait attention. On va se retrouver directement, quoique. Et voir le Ronaldo, voilà. Allez, ce trophée qui est toujours moche. Toujours. Et ben, toujours. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve pour un nouveau match en Ligue 1.
Uber Eats face à Rennes. Alors que le coup d'envoi est donné par les Rennais qui jouent à domicile. Et première interception de Burak Yılmaz. On revient à la faute alors du côté lillois. Attention à la frappe de Bourigeaud. Qui n'inquiétera pas beaucoup Maignan, mais qui n'était pas loin de passer. Attention! Je voulais pas dégager là! C'est bon! Premier but concédé par Maignan. On va prendre un peu de risque. C'est refait reprendre le ballon. Ça va être la mi-temps Lille qui est menée 1-0 par le Rennes de Martin Terrier, le unique buteur de ce match. Allez, Burak Yılmaz qui lance Jonathan Bamba. Et le but de Jonathan Bamba qui inscrit le premier but du LOSC cette saison et qui vient égaliser au score. Vamos. Attention, la faute concédée par Bradaric, qui, à mon sens, était le dernier défenseur. Après, c'est mon avis. Et qui ne concède pas de pénaux. Pour rendre heureux les Lillois. Et Jonathan David qui loupe son 1 contre 1. C'était peut-être le but de la victoire pour le LOSC. Mais malheureusement, Jonathan David, le jeune Canadien, n'est pas encore assez en confiance pour défier le gardien René dans un 1 contre 1. Sur une magnifique passe de Renato Sanchez dans le bon espace. Alors que coup franc concédé. Aïe, il a failli avoir un but côté. Et c'est le CSC. Oui, j'avais pas très bien compris sur le coup. C'est un CSC de Damien Da Silva. Alors qu'on revoit au ralenti. Le ballon n'est clairement pas sorti des limites du terrain. Jonathan David qui l'a contrôlé sans l'enlever des mains. Et Da Silva qui va la pousser. Et oui, la goal line, notre goal line technologie affirme qu'elle y est. Oui, elle y est là. Là, elle y est. 2-1 pour le LOSC dans ce match. À la 89e minute. Et 4 minutes de temps additionnel. Et c'est fini, le LOSC qui gagne 2-1 face au stade des Rennais. Tu en sais, c'est... Malheureux de Damien Da Silva, mais si on sait, c'est pas le choix. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai pas vu le résultat. Paris qui a gagné. On se retrouve directement pour le prochain match. Allez, à de suite. Allez, on se retrouve pour le match d'Europa League en face de vous, face au FC Copenhague.
première journée de la phrase de groupe. Et le but pour le FC Copenhague. Alors qu'il ne s'était rien passé pour l'instant dans ce match. Allez, Bourak. Et le but de Bourak Ivaz qui vient égaliser dans cette rencontre. Pas se prendre des droits d'auteur. Mi-temps, match 1-1 entre les deux équipes. Enfin, surtout pour le meilleur moment de la seconde période. Allez, il connaît en profondeur pour Celik. Ouh là là, quelle parade du portier de Copenhague. Et Lille qui ne pourra toujours pas mener. Au corner. Et le but non de Bourak Yılmaz. Oh là 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 là. Il était tout seul, Bourak. Et la loupe. Pas possible. Allez, Bradaric. Oh là là, quel gardien. C'est la fin de ce match. Lille peut avoir de regrets. Copenhague doit ce résultat à son gardien. Honnêtement, s'il n'était pas là... Grete Boost. Ils étaient un peu morts quelque part dans la tête. Bon voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'oublie pas de commenter, de partager, de liker, de faire tout ce que tu veux. On regarde vite fait les résultats des Français. Tac tac tac, il y a Rennes qui a gagné 4-2 face à Bâle. Nice qui a gagné 3-1 face à la Z. Pas d'autres clubs, non. Et nous qui avons fait un. Bon voilà, c'était la fin. Ah, je crois que j'ai vu Monaco. Non. Allez, voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager, de faire tout ce que tu veux. Donc voilà, c'était Fatou. Blablabla, match foutu, lundi à vous. Je vous fais plein de gros bisous.